Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle leçon de broderie qui concerne le point de tige. Donc je vais prendre comme repère la ligne que j'ai tracée ici et je vais piquer une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Donc je fais ressortir mon aiguille à peu près 1,5 cm plus loin. À droite de la ligne, je pique et je vais continuer de la même façon en ressortant mon aiguille à la moitié du point et je repique 1,5 cm plus loin à l'extérieur de la ligne. Je ressors à gauche de la ligne à la moitié du point et je repique à l'extérieur. Je pique à la moitié du point à gauche et je vais ressortir à droite en prenant comme point de repère ma ligne, je ressors à la moitié du point précédent et je fais ma longueur de point habituelle 1,5 cm. Bien sûr, vous pouvez décider de faire des points plus ou moins longs. Je ressors mon aiguille à la moitié du point précédent à gauche et ensuite je pique mon aiguille à droite de la ligne et je continue. Je ressors mon aiguille à la moitié du point et je repique à l'extérieur de ma ligne. Je repique à la moitié du point précédent. Alors maintenant je vais allonger mes points pour vous montrer un exemple de point un peu plus long. Et le principe est toujours le même, donc je pique à gauche à la moitié du point précédent et je continue en repiquant à droite de ma ligne. Je ressors et je pique à droite. Je pique à la moitié de mon point précédent. Je ressors l'aiguille et je pique à droite de ma ligne. Je ressors l'aiguille à la moitié du point précédent et je repique à droite de ma ligne. Je continue de la même façon. À gauche, je ressors mon aiguille à la moitié du point précédent et je repique à droite de ma ligne. Et je ressors à droite. J'ai ressorti mon fil à droite, à gauche, pardon, à la moitié de mon point et je pique mon aiguille à droite de ma ligne de repère. Et je continue ainsi tout au long de ma ligne. Et je repique à droite. Donc voilà. Ma ligne de point de tige est réalisée et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon de broderie ensemble. Merci.